Alors, Yagi entre dans la salle et lui demande ce qui se passe. Elle demande à Sinan de répondre et celui-ci dit qu'il ne se passe rien et dit qu'il discutait à propos du travail. De son côté, Fazile se lève de table et Céline lui demande si elle s'en va déjà. Elle dit oui et dit qu'elle a des achats à faire pour son petit-fils. Elle dit ensuite qu'elles doivent acheter le lit, les chaussures et plein d'autres fournitures. Puis, Essay demande à Céline quand elle compte aller dans sa belle villa de Bébec et dit qu'elle aimerait transformer sa chambre pour son enfant. Céline se fâche et dit à Essay qu'elle n'aura jamais sa chambre et Fazile lui demande de se calmer et de nourrir le ventre affamé de sa belle-mère. Une fois partie, Sucrier demande à Céline de se calmer et celle-ci dit qu'elle savent vraiment où toucher pour qu'elle ait mal. Une fois dehors, Fazile dit à sa fille qu'elle est toujours inquiète pour Hasan, qui ne donne aucun signe de vie. Essay lui demande de ne pas s'en faire et dit qu'elle voulait juste un peu de vacances. Elle voit Kerim passer et demande un instant à sa fille et va discuter avec elle. Fazile lui demande où elle va et lui dit qu'elle n'a pas demandé la permission. Kerim lui dit qu'elle n'est pas revenue dans la maison comme servante et lui dit qu'elle n'a pas à demander la permission pour sortir. Alors Kerim dit à Fazile qu'elle doit partir et dit qu'elle est déjà en retard. Fazile lui dit qu'elle et la personne qui est en train de l'aider vont se retrouver dans la terre. Kerim s'en va en riant et dit qu'elle verra bien qui va se retrouver dans le sol et s'en va. De son côté, Hasan est en train d'essayer de défaire ses liens et est rattrapé par son kidnappeur. Il lui dit qu'elle risque de se couper la main et dit qu'elle doit rester en silence et attendre la réponse à ses questions et dit ensuite que personne ne peut l'entendre, même si elle se mettait à crier. Puis, il resserre une fois de plus ses liens. De son côté, Yasmine est au café et attend Azim. Celui-ci arrive et lui demande de signer les papiers de divorce. Elle lui dit qu'elle ne va pas le faire et Azim lui demande de regarder derrière elle. Yasmine voit son homme de main et la police juste à côté de lui. Il lui dit qu'après son départ, Gokhan lui a raconté tout ce qu'elle lui a fait. Yasmine dit qu'il ne pourra jamais faire une chose pareille et dit qu'il n'est pas sérieux. Alors, Azim demande à son homme de main d'aller voir la police et Yasmine finit par accepter de signer car elle ne veut pas aller en prison.